Voici le guide complet des défis cauchemars partie 4 sur Fortnite. Le premier défi va vous demander de faire sauter une pompe à carburant. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver une station de service. Et pour les trouver, vous avez juste à monter dans un véhicule. Et quand vous montez dans un véhicule, vous voyez toutes les pompes à essence qui sont affichées sur le gameplay. Donc ensuite, vous allez devoir rejoindre une de ces pompes à essence. Ensuite, casser la pompe en question. Donc vous tapez 3 fois dedans. Ensuite, elle explose et dès que ce sera fait, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de conduire un véhicule jusqu'à ce que le réservoir soit vide. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver bien entendu un véhicule. Ensuite, moi ce que je vous conseille, c'est d'utiliser le boost en illimité. Comme ça, vous allez vite tomber à un court de carburant parce que ça consomme 2 fois plus de carburant. Et dès que vous aurez utilisé la voiture jusqu'à épuisement de son réserve de carburant, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec le fusil à pompe à pieux ou alors le lance-citrouille. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de venir parler au personnage qui se trouve juste ici. Après, il y a d'autres personnages qui vous vendent les armes en question, mais celui-ci vous vend directement le lance-citrouille pour 800 lingots d'or. Après, c'est un peu cher. Je vais regarder s'il n'y a pas un autre vendeur moins cher. Ok, donc regardez là, j'ai trouvé un personnage qui vous vend le pompe à pieux, mais là il vous vend pour 600 lingots d'or, donc c'est 200 lingots d'or en moins. Donc si jamais vous voulez économiser un peu de lingots, vous pouvez prendre le fusil à pompe à pieux, et dès que vous avez cette arme, là vous allez devoir trouver justement des adversaires pour leur infliger un total de 500 de dégâts. Après, ça fonctionne aussi contre des bots, donc si vous trouvez des bots, n'hésitez pas à réaliser votre défi avec. Mais voilà, il va falloir soit utiliser des bots, soit de réels joueurs, et infliger un total de 500 de dégâts pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Le prochain défi va vous demander de parler à Andy Fangerson, la chevaleresse du cauchemar et Ruby Noir. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir parler aux 3 personnages qui sont juste ici, donc à Grim Gates, à Rebel Roost et au Mont Olympe. Dès que vous aurez parlé à ces 3 personnages-là, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de parcourir la distance sur le train fantôme. Alors pour trouver le train fantôme, c'est très simple, vous avez juste à ouvrir votre carte et le train se trouvera juste ici, donc représenté par ce petit logo. Ensuite, quand vous l'avez trouvé, vous avez juste à vous placer dessus. Et dès que vous aurez voyagé sur une distance de 1000 mètres, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et le dernier défi va vous demander de survivre à un total de 150 joueurs. Pour réaliser ce défi, vous avez juste à lancer des parties et attendre que 150 joueurs meurent dans vos parties. Donc en plusieurs parties, bien évidemment. Et dès que vous aurez survécu à 150 joueurs, là vous aurez terminé le défi. Code créateur